Salut les filles et les garçons. Alors, je sais que... Attendez. Voilà, comme ça c'est mieux. Je sais que 40 millions de fois dans les commentaires, vous m'avez dit « Qu'est-ce que tu penses des pinceaux Real Techniques de Sam Chapman ?» Jusqu'ici, je n'en pensais rien vu que je ne les avais pas. Et pourquoi je ne les avais pas? Parce que j'ai déjà 4 millions de pinceaux, donc je ne voyais pas tellement l'intérêt d'en avoir d'autres. Et qu'en plus, je trouvais que les manches étaient très moches. Parce que moi, j'aime les pinceaux qui ont un manche noir, sobre, enfin... ou comme les pinceaux Make Up For Ever bois ou simili bois, mais voilà, les trucs dorés ou roses ou violets, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Et puis, voilà, quoi, j'en avais vraiment pas besoin. Et puis, les hasards de la vie faisant, Miss Blackline, adorablement, m'en a offert. Merci, Miss Blackline. Grâce à toi, je n'aurais pas découvert que c'était des merveilles. Enfin, certains, en tout cas. Et donc, j'ai utilisé ce qu'elle m'a offert, et je les ai trouvés tellement géniaux que j'en ai racheté d'autres. sur le fameux site iHerb que tout le monde indique et tout et tout. Pas de panique si c'est long, moi ça a mis 10 jours à arriver. Hein, donc je me disais, bon ok, ils sont en train de venir à la nage, tout va bien. Donc je vais vous montrer ce que j'ai et ce que j'en pense. C'est vous dire à mon avis lesquels sont vraiment top ou pas. Après, je pense que vraiment, c'est vraiment des pinceaux qui s'adaptent énormément. Et avec lesquels on peut faire plein de choses. Chaque pinceau peut être utilisé pour des matières différentes, des usages différents, des zones d'usage différents. C'est vraiment des pinceaux avec lesquels chacun fait un peu sa sauce, quoi. C'est assez intéressant pour ça. Alors, ils sont tous en synthétique, parce que Sam Chapman est végétarienne, donc pas de poils d'animaux, machin, tout ça. Miss Blackline m'a expliqué que c'était du taclon, c'est-à-dire c'est de la très bonne fibre synthétique et tout, de très bonne qualité. Et effectivement, c'était marrant parce que, attendez, il y en a un que j'ai oublié. Le premier que j'ai ouvert, dans ceux qu'elle m'a offert, c'était celui qui s'appelle pinceau blush. Et j'ai fait ça et j'étais là. J'ai jamais touché un truc aussi doux. Aucun de mes pinceaux en poil naturel n'est aussi doux. Et le pinceau à fond de teint, c'est pareil. Je veux dire, le pinceau à poudre, là, qui pourrait faire penser au 180. Attendez, là, c'est. Au 188 de MAC, vous voyez, c'est un peu, enfin, ils appellent ça pinceau à blush, moi je m'en sers pour la poudre, mais c'est un pinceau un peu pointu, mais ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, le 188 de MAC, tant qu'il est hyper propre, il est très très doux, mais alors l'autre, mais ça n'a rien à voir. Une douceur incroyable. Donc, lui, qui s'appelle Blush Brush, je vais vous le mettre à côté de quoi pour que vous rendiez compte de la taille. Ben, il est gros, quoi. Vous voyez, c'est un gros pinceau. Est-ce que si je le rapproche, vous le voyez? C'est un gros pinceau. Pour moi, pour le blush, c'est un peu too much. Je trouve ça un peu gros. Ça fait un peu Enfin, je préfère plus petit et plus précis. Par contre, comme pinceau à poudre, il est complètement génial. Mais génial, quoi. C'est-à-dire que dans ceux que je vais vous montrer, qui sont mes préférés, je suis capable de les laver après m'en être servi pour pouvoir m'en resservir le lendemain. Alors que, par exemple, pour le fond de teint, des pinceaux à fond de teint, j'en ai 10. Donc, j'ai pas du tout besoin de les laver au fur et à mesure. Et ben, notamment le pinceau à fond de teint, je le trouve tellement génial, c'est tellement le meilleur de tous ceux que j'ai, que tous les jours, ou tous les deux jours, je le lave pour pouvoir m'en resservir dès le lendemain, et pas être obligé d'en utiliser un autre. Donc vraiment, et alors ça, comme pinceau à poudre, mais c'est extraordinaire, quoi. Il est vraiment génial. Vous pouvez vous en servir comme pinceau à blush, hein, si vous voulez. Simplement, je le trouve un peu gros, pour un pinceau à blush. Bon. Après, si on se met, comme il est un peu arrondi, pointu, si on reste sur la pointe, on a quand même un rendu assez précis, mais... Il se trouve que moi, c'est pas pour ça que je l'utilise pour la poudre. Donc, celui-là, pour la poudre, dément. Je sais plus quand. Alors, évidemment, j'ai pas gardé. Ah, bah, ça, j'ai pas la facture, hein, évidemment, vu que c'est Miss Blackline qui me l'avait offert. Mais dans ceux que j'ai achetés, ben, j'ai laissé la facture de côté. Mais enfin, de toute façon, c'est pas du tout des pinceaux chers. C'est beaucoup moins cher que des pinceaux MAC, par exemple. Et en plus, il y a toujours la fameuse histoire des codes promo, machin, qui font qu'on a. Je vous mettrai le mien dessous, hein, évidemment. Qui font qu'on a 5$. Pour une commande, enfin 5$ de réduction pour une commande inférieure à 30$, il me semble, et 10$ pour une commande supérieure à 30$. Enfin bon, de toute façon, il y a tout le temps des réducts. Les frais de port sont, je sais plus, moi j'ai dû avoir 6$ de frais de port, enfin, et j'en avais commandé pas mal. Enfin, vraiment, ça revient pas cher, et c'est des pinceaux de très bonne qualité. Excellent le pinceau à poudre, aidant. Ensuite, mon chouchou absolu, il s'appelle Buffing Brush. Vous voyez, c'est comme un kabuki presque plat et assez court, et il est assez souple. Et pour poser le fond de teint, c'est juste une merveille. Il a supplanté tous ceux que j'avais avant et que j'adorais.
C'est-à-dire que moi, je fais pas des ronds quand je pose mon fond de teint. Vous savez, j'étire comme ça, tac, 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 je fais des petits traits. C'est celui qui fait le fini le plus, ce qu'on appelle entre guillemets airbrush, sachant que c'est évidemment jamais, quand on vous dit ça, c'est pas complètement vrai, parce que de l'airbrush, ça donne vraiment un visage ouf, complètement parfait, donc on n'obtient pas ça avec un fond de teint crème. Mais malgré tout, il diffuse le fond de teint sur la peau, en faisant pas de traces, en faisant pas de stries, en marquant pas les pores. Il est absolument génial. C'est celui-là que je lave tous les jours, parce que vraiment, tellement, il est dément, quoi. Vraiment démentiel. Voilà, donc il s'appelle Buffing Brush, donc effectivement, buffing ça veut dire polir, quoi, donc on peut s'en servir aussi pour polir tout le teint si on a envie, hein, j'imagine. Moi je l'utilise pas pour ça, je l'utilise pour le fond de teint, et vraiment, mais dément quoi, démentiel. Ensuite, en autre démentiel, il y a celui-là qui s'appelle Deluxe Crease Brush, je sais pas si ça focus, j'espère que oui, qui est donc censé être un pinceau pour faire le crease, hein. Moi je le trouve trop gros et trop raide pour ça, puis trop gros surtout, faut vraiment avoir des immenses crease quoi. En revanche, pour poser l'anti-cerne, notamment un anti-cerne type comme ça, comme le chou et moi, déjà pour aller chercher dans le pot c'est génial, et ça le pose, mais c'est parfait, ça diffuse juste ce qu'il faut, ça fait pas de traces, ça fait pas de stries, ça dépose de la correction sans mettre d'épaisseur et de côté plâtreux. On peut aussi corriger des petits trucs sur le visage avec et tout. Ça, celui-là, c'est pareil, je le lave tous les jours. Enfin, non, je ne l'ai pas encore lavé, mais il est complètement dément. Il est dément, ce pinceau. Donc, c'est pareil, c'en est encore un que je n'utilise pas pour l'usage qui est écrit sur le manche, mais qui est vraiment topissime. Je vous le recommande, mais alors, pour l'anti-cerne, hein, vraiment, moi, je l'utilise que pour ça. À quoi d'autre il pourrait servir? Peut-être mettre du fard crème sur la paupière supérieure. Pas encore essayé, mais pour l'anti-cerne, bon sang, mais ça change tout. Enfin, moi, je le mettais toujours au doigt, l'anti-cerne, jusque-là. Et du coup, j'avais des espèces de... C'était cakey sous mes yeux, quoi. C'était vraiment... Ouh, parce que j'en mettais trop, parce que j'ai vachement de cerne, etc. Donc, ça faisait un peu cakey. Et alors, le combo avec, en plus, l'anti-cerne Chou et Moura, qui est vachement fin tout en étant bien couvrant, et surtout en faisant pas du tout cakey, parce que c'est un longue tenue... Enfin, pas du tout cakey. Comme c'est un long tenu, je le poudre pas, et du coup ça fait pas du tout kaki. Les deux ensemble, ça fait un super combo. Donc génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est vraiment mes trois préférés, de la mort qui tue. Ensuite, dans les biens aussi. Alors, moi pour le blush, j'en utilise un qui s'appelle Contour Brush. Vous voyez, qui est un petit truc de cette taille-là. Je sais pas si ça focus. Qui est très doux, qui est un peu souple. Moi je fais pas de contour, hein, donc voilà. Je pense que pour le contour il doit effectivement être adapté. En revanche, je trouve que pour le blush crème il est vachement bien. Parce qu'en plus, pour aller dans des petits pots, n'est-ce pas Cécile de Brest? Regardez par exemple le petit pot du Maybelline. Avec des gros pinceaux, c'est pas pratique. Alors que lui, pif, il rentre juste dedans. Et il est vachement bien pour le blush crème. Je l'aime beaucoup, moi c'est pour ça que je l'utilise. Très réussi. Et il marche aussi pour le blush poudre. J'ai essayé, hein, j'ai essayé les deux. De toute façon, j'ai essayé tout ça avant de vous en parler pour être vraiment sûre de ce que je vous disais. Très bien pour le blush d'une manière générale. Excellent petit pinceau. Et vraiment pour le blush crème, génial. Et il perd aucun d'eux. Alors aucun d'eux ne perd leur poil, hein, aucun. Et lui, il n'est pas comme le 109. Hein. Dans le blush crème, il perd pas ses poils. Et puis il y a aussi un truc quand même avec tous ces pinceaux-là, qui est vachement important, c'est que quand vous les lavez, comme c'est du synthétique, genre 3 heures après, ils sont secs. Et vous n'êtes même pas obligé de les faire sécher dans les brush guards, la tête en bas, machin, tout ça. Enfin, la tête en bas, c'est toujours mieux, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je les fais sécher sur le bord d'un meuble. Je les essore bien sur le bord d'un meuble. Et comme c'est du synthétique, ils gardent leur forme. C'est pas comme des pinceaux en poil naturel, mais qui se mettent comme ça et tout. Et donc, c'est vachement plus facile à entretenir, quoi. Et alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait des pochettes? Ah ben, ceux qui sont vendus dans des kits, certains sont vendus dans des kits, je vous expliquerai. Ils viennent avec une petite pochette comme ça. Donc il y a les pinceaux qui sont rangés là-dedans, et donc déjà on peut voyager avec, c'est pratique, ça les abîme pas. Et puis alors voilà, ça c'est une petite astuce, le truc se replie si on veut, il y a un petit machin sur lequel on tire, et du coup on se retrouve avec ces petits pinceaux exposés si on en a besoin pour les mettre sur son bureau pour se maquiller. Donc, c'est pratique quoi, c'est surtout pour les transporter en voyage que c'est pratique, parce que moi je trouve transporter des pinceaux en voyage c'est toujours la galère. Si on les met dans un gros wrap à pinceaux, là, comme ça, ça prend une place folle. Si on les met dans une trousse, ils s'abîment les uns sur les autres, mais les brush guards foutent le camp, ça retrousse les poils, ça leur fait pas de bien. Alors que là, franchement, très bon truc. Je sais pas ce que j'ai... Ah si, j'ai fait. J'en ai un deuxième, Dieu merci. Donc voilà, donc entretien vachement bien. Il y en a un qui s'appelle Expert Face Brush,
qui ressemble un peu au pinceau à fond de teint, si ce n'est qu'il est beaucoup plus dur, enfin beaucoup plus rigide. Tout, 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 tout. Vous voyez, il est beaucoup moins souple et il est un peu plus arrondi. Voilà. Et alors celui-ci, je le trouve très bien pour du fond de teint poudre. Que ce soit du fond de teint poudre compact ou du fond de teint poudre minéral genre libre, quoi. Il est très bien foutu pour ça, il est très pratique parce qu'on peut faire des petits ronds. Il prend beaucoup de matière, comme il est très très dense, il prend beaucoup de matière. Et je le trouve vraiment pratique pour poser du fond de teint poudre. Donc pareil, très bon pinceau. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire d'autre? Bah, du fond de teint liquide, c'est évident. Hein. J'ai pas essayé par contre encore le fond de teint liquide avec, mais c'est évident que ça va fonctionner. Il se trouve que moi j'ai une immense passion pour celui-là. Et à mon avis, celui-ci diffuse plus la matière que celui-ci. Mais en tout cas, pour le fond de teint poudre, il est vachement bien. Ensuite, ici, j'ai le Stippling Brush, qui est donc un pinceau, vous voyez, un duo fibre, mais alors pas du tout comme le duo fibre, pas du tout comme le 187 de MAC, vous voyez, qui a des fibres hyper longues, et très 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 souple. Celui-ci, c'est un petit truc raide, quoi. Donc, il est fait à la base, j'imagine, comme beaucoup de ces trucs-là, pour tout stippeler du fond de teint. Ce que moi, je ne fais pas, parce que j'aime pas tapoter le fond de teint comme ça pour le poser. Moi, j'aime le poser en faisant des traits comme ça, et avec ce genre de truc, en général, on se retrouve avec des stries. Donc c'est pas mon truc. En revanche, pour poser du blush poudre, il est vachement bien. Du blush poudre, hein, comme ça, on le tapote dedans, et ensuite on tapote là, et il... Parce qu'il diffuse, le fait qu'il soit un peu duo fibre comme ça, que les fibres du bout soient un peu plus souples et un peu plus longues, ça fait qu'on n'a pas un... ça fait pas une grosse trace, et il est vachement bien pour ça. Je vous donne les différents usages, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut tous les avoir. Je vous explique, si par hasard vous en avez déjà ou que vous avez envie d'en acheter, ce qu'on peut faire avec. Après, je vous dis, à mon avis, c'est vraiment les pinceaux que chacun va adapter, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va décider que celui-là, pour le fond de teint, pour elle, il est parfait. Une autre qui va décider qu'avec celui-là, elle va plutôt poser sa poudre. Après tout, pourquoi pas, à mon avis, c'est possible. Donc moi, je vous donne mes préférences, mais vraiment, vous utilisez... Enfin, je pense vraiment qu'on peut complètement les personnaliser, en fait, ces pinceaux. Excusez-moi, tout est en train de se casser la gueule. Une fois de plus, c'est très pratique. Faut que je mette de côté ceux dont j'ai déjà parlé. Et de côté... Ah, reste là. De côté ceux dont je n'ai pas parlé. Voilà. Et vous allez me dire, ton t-shirt, il vient d'où? C'est pas un t-shirt, c'est une robe toute plissée, comme ça, qui vient chez Devil Monop. Voilà. Alors ensuite, ici, on en a un qui s'appelle Setting Brush. Donc, ça veut dire que c'est pour faire tenir, quoi. Il est très souple. En fait, l'idéal, c'est pour un enlumineur, un highlighter poudre. Ou pour poser pour poser de la poudre sur des petites surfaces. Par exemple, pour poudrer le tour des yeux, il va être vachement bien, parce que c'est vraiment, vraiment la consistance d'un pinceau à poudre, vraiment souple. Donc voilà, pour ce genre de choses. Donc, enlumineur poudre ou poudrer les petites surfaces. Ça reste un usage un peu... c'est pas forcément ce dont on a besoin en premier. Mais enfin, si par hasard, vous cherchiez un pinceau précisément pour ces trucs-là, celui-ci est pas mal du tout. Après, je me souviens plus lesquels sont vendus seuls, lesquels sont vendus en kit. Je vous mettrai tout ça dans les infos, je vous remettrai les noms des pinceaux, je vous remettrai ce pour quel usage, moi, personnellement, toute seule, moi-même, je les préfère. Je vous mettrai le lien vers le machin, vendu seul, vendu en kit, vendu en je sais pas quoi, pour que vous vous y retrouviez, parce que c'est un peu compliqué tout ça. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Pointed Foundation Brush, donc ça c'est un petit pinceau à fond de teint. Pour vous donner une idée, est-ce que j'en ai un normal? Non, j'en ai un presque normal, un peu grand, mais vous avez vu la différence? Bon, ça c'est un Mac 189, ok, il est gigantesque, mais quand même, celui-là est beaucoup trop petit pour, comme pinceau à fond de teint. Laissez tomber. C'est un pinceau à la limite pour poser de l'anticerne, mais à mon avis, il va faire des stries. Je ne sais pas. Est-ce que je m'en suis servi d'ailleurs? Non, je crois que je ne m'en suis pas servi. Non, je ne vois pas quoi en faire. Réfléchissons. Si, pour mettre du correcteur à beaucoup d'endroits, peut-être, sur des plus grandes zones, par exemple, si on a de la coupe rose, ce genre de choses, ou des rougeurs à cacher, pour mettre du correcteur, comme il est très dense. Il va déposer la matière de façon dense aussi, parce que plus les poils d'un pinceau sont aérés, plus ça diffuse la matière, et plus ils sont denses, plus ils déposent la matière de façon dense aussi. Donc peut-être, voilà, pour corriger des grandes surfaces. Sous l'œil, je ne suis pas complètement convaincue.
Bon, voilà. Dans les mêmes couleurs, on a un detailer brush, là, qui est donc un tout petit, c'est un tout petit pinceau concealer, donc à la limite pour déposer de l'anticerne liquide que ensuite vous tapez au très haut doigt, à la limite. Par contre, pour faire des, pour rectifier, attendez, je vais zoomer, ça va être beaucoup plus amusant. Mettons que vous voulez rectifier un tout petit truc ici. Et ben, vous en prenez juste un tout petit peu sur la pointe et vous faites tic 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 tic. Donc voilà, ce genre de truc. Moi, c'est le genre de pinceau dont je ne me sers jamais, mais si jamais vous le lavez, voilà à quoi il peut servir. C'est du détail. Si pour poser du fard à paupières crème de façon précise aussi, en petite quantité, sous les cils du bas aussi. Un pas fard à paupières crème sous les cils du bas, ça peut être utile. Il peut vous servir aussi, à quoi il peut servir d'autre? Il peut servir à smudger, enfin à estomper du crayon, enfin une base noire qui vous servira de base de smoky par exemple. Estomper un peu. Bon, enfin vraiment pas indispensable à mon avis. Ensuite, dans les trucs pour les yeux, en fait, il doit, voilà, c'est par couleur. Ça doit venir dans un kit ensemble. Oui, c'est par couleur. Après, les autres ne sont pas forcément dans des kits. Donc ça, c'est celui que moi, j'utilise pour l'anticerne, que je trouve démentialissime. Il y en a un autre qui peut servir aussi pour l'anticerne, qui s'appelle Shading Brush. En fait, c'est des pinceaux à paupières, hein, ceux-là. Donc ça, c'est censé être un genre de pinceau plat, hein, pour poser le fard, tac, 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 comme ça. Je le trouve un peu trop rond. Regardez. Vous voyez, il est très rond. Je trouve qu'à la limite, par contre, pour faire un outer V ou une banane, ce sera pas mal. Sinon, pareil, pour poser de l'anticerne crème, en peau, prélever dans un petit pot et le déposer en floutant complètement parce qu'il est très, il diffuse bien la matière, il est très bien aussi pour ça, pour cet usage-là. Pareil, pour poser des fards à paupières crème. Enfin, c'est-à-dire, pour travailler les crèmes, je trouve plutôt mieux que pour travailler les poudres. Et donc, si vous voulez faire tout un look à la crème, fard à paupières crème sur la paupière mobile, banane à la crème dans une autre couleur, lui, il peut marcher pour ça. There. Enfin, la tentative de dupe du 217, Base Shadow Brush. Je vous montre un 217 à côté. Que vous voyez. Vous voyez, c'est un peu le même genre. C'est domed, c'est-à-dire en forme de dôme, fluffy, un peu long, assez souple. C'est un peu le même genre. Il fait tout à fait le boulot d'un 217 pour estomper. On peut poser du fard avec aussi. Enfin, il peut remplacer. Moi, je préfère quand même le 217 parce que j'ai été très habituée à travailler avec. Mais celui-ci, les poils sont un peu plus doux. Et je reprends mon 217. Mais ouais. Le 217, c'est du poil naturel et c'est un peu plus rêche. Celui-ci est d'une douceur totale. Je pense que si on n'a pas de 217 et qu'on s'est jamais servi d'un 217 et qu'on commence avec ça, on peut complètement se maquiller, apprendre à se maquiller avec ça et que ça fasse complètement le boulot. Hein. C'est-à-dire on peut poser avec, estomper avec, on peut faire une banane avec aussi parce qu'il est assez pointu et un peu aplati comme ça. Et donc on peut avoir de la précision. Très bon petit pinceau. Et en dernier, qu'est-ce que j'ai? Ah mais non, j'avais aussi un... Attendez, il m'en manque un. Mais non, il m'en manque plusieurs. Je les avais rangés chacun dans leur catégorie parce que les pinceaux sont rangés par catégorie chez moi. Vous voyez ça, c'est le pot à pinceau liner. Donc, ils sont chacun rangés dans leur catégorie. Voilà, alors, j'ai un pinceau liner, ici, qui s'appelle Pixel Point Eyeliner Brush, que je vais vous montrer à côté, ben, par exemple, de mon Gemma Kid préféré. Regardez la différence de taille. Donc, Miss Blackline, évidemment, n'a aucun problème à faire le super trait liner fin et tout ça avec ça, mais c'est un petit peu la reine du liner, hein, c'est-à-dire qu'elle a aucun problème pour réussir un trait liner. Si vous débutez, ne commencez pas avec ça, vous n'allez jamais vous en sortir, parce que c'est le genre de pinceau, même en le rendant précis comme ça sur la main, il va rester extrêmement épais, et donc vous allez être obligé, pour avoir de la précision, à travailler comme ça, avec la pointe. Alors que le moyen, quand on débute, de réussir son trait liner, c'est justement de travailler comme ça, parallèle à la paupière, en le posant quasiment le long des cils. Avec ça, c'est impossible, il est trop large. Donc, à part faire du micro-concealing avec... j'ai essayé de m'en servir une fois pour faire un trait de liner, j'ai réussi, hein, mais par contre, j'avais pas un trait super fin. Hein, c'est pas... Il est pas très facile, quand même, celui-là. Il y en a peut-être un plus fin, hein, cela dit. Ensuite, toujours dans les petits. Ça, c'est le Accent Brush. C'est un tout petit pinceau plat, arrondi, assez ferme,
qui sera bien pour faire le coin interne, le rat-de-cil inférieur, ce genre de choses. Si vous n'en avez pas du tout, ça peut servir. Sinon, ça ne sert, si vous en avez déjà, ça ne sert à rien. Voilà. Il doit pouvoir servir de pinceau à lèvres, ou pas tout à fait assez ferme et pas tout à fait assez carré, non. Non, c'est vraiment pour faire les détails, quoi. Hein. Il peut servir aussi à estomper, par exemple, si vous mettez un trait de crayon sur votre maquillage et que vous avez envie de le flouter un peu, il peut servir un petit peu à flouter ça, légèrement. Bon, enfin, ouais, bon, pas d'une utilité folle. Et le dernier, c'est le Brow Brush, donc c'est un biseauté. Alors, il est très souple, très large. Moi, j'ai trouvé que pour les sourcils, ça n'allait pas du tout. Je sais pas, ça déposait des grosses traces, et puis après ça, on n'arrivait pas à les mettre en place. Enfin, on n'arrivait pas à les estomper de façon jolie. Enfin, moi, j'y arrivais pas. Je trouve qu'il coiffe pas les sourcils parce que les poils sont trop souples. Je trouve pas du tout adapté pour les sourcils. En revanche, pour faire des rat-de-cils, il est très pratique, comme toujours les biseautés. Pour faire des rat-de-cils à la poudre, par exemple, finir votre truc, ici, là, si vous voulez, vous mettez un rat-de-cils, tac, 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 vous l'effacez un petit peu vers le haut. Vous pouvez faire le rat-de-cils inférieur aussi. Enfin, l'achetez pas exprès. De toute façon, il est pas vendu seul, hein, celui-là. Je crois qu'il est vendu dans un kit. Mais l'achetez pas exprès pour faire les sourcils, parce que franchement, non, quoi. Achetez-vous un 266 ou n'importe quoi d'autre, mais enfin, je dis pas n'importe quoi d'autre, parce qu'il y a quand même des pinceaux à sourcils qui sont vraiment merdiques, mais franchement, celui-là, enfin, pour moi, il n'est pas du tout convaincant en pinceau à sourcils. Voilà, donc j'ai fait le tour, et moi, ce que je vous recommande absolument, mais vraiment absolument, ceux dont je ne pourrais pas me passer du tout maintenant, c'est ces deux-là. C'est le Buffing Brush dont j'ai fait un pinceau anti-cerne et le Deluxe Crease Brush dont j'ai fait un pinceau à fond de teint, pardon, et le Deluxe Crease Brush dont j'ai fait un pinceau à anti-cerne. Ces deux-là sont vraiment géniaux pour cet usage. Celui-là, en pinceau à poudre, le Blush Brush, normalement pinceau à blush, fait un excellent pinceau à poudre. Et voilà, si vraiment, si celui-ci est quand même vachement bien, bon, sauf que moi je m'en sers assez peu parce que j'ai plein de 217 et j'ai toujours le réflexe d'aller vers le 217, mais celui-là est pas mal du tout aussi, il est bien fait, il est bien fait, il fonctionne bien pour ce pourquoi il est fait. Sinon, s'il faut en choisir un pour le blush, je prendrais celui-là, parce qu'il fait il peut faire crème et poudre. Mais globalement, je m'arrêterai là, quoi. Voilà, en indispensable absolu, j'aurai ces deux-là. Et en bien à avoir, en plus, j'aurai ces trois-là. Et donc, ce qui fait que moi, il m'en reste 5 sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 sur 14, bon, bah, c'est pas énorme, mais. Mais c'est aussi que j'en ai plein d'autres des pinceaux. Et donc. Forcément je compare avec ce que j'ai déjà et je vois que dans ce que j'ai déjà il y en a un qui fera mieux telle chose qu'un de ceux-là. Mais si vous avez très peu de pinceaux ou pas du tout et que vous voulez des pinceaux de qualité pas cher, clairement le rapport qualité-prix de ces pinceaux est absolument excellent, mais vraiment excellent. Ça, vraiment encore merci Miss Blackline, parce que sans toi je serais passée à côté, je pense vraiment, parce que je continue à trouver que les manches, moi les manches de couleur, mais au secours, quoi, on sera chez Fisher Price, je trouve ça vraiment pas du tout mon truc. Mais je m'en fous complètement, une fois qu'on l'a en main et qu'on sait à quel point le résultat sur la peau va être joli, il n'y a plus que ça qui compte. Et donc, qu'est-ce que je disais? Eh bien, je ne sais plus. Donc oui, si vous avez très peu de pinceaux et que vous voulez vous acheter des pinceaux de qualité sans vous ruiner, ça vaut vachement le coup de regarder vers ces pinceaux-là. À de rares exceptions près où ce sera nettement mieux chez MAC pour certains trucs, notamment ils n'ont rien qui correspond à un 239, parce que celui qui va être censé ressembler au 239 c'est le Shading Brush, celui-là, et ça n'a rien à voir, hein, je vais vous les mettre à côté, vous allez voir, 239 est mille fois mieux, il est beaucoup plus plat, beaucoup plus précis, beaucoup plus dense, on peut faire un rat-de-cil inférieur avec celui-là, ça va être beaucoup plus difficile, enfin... Voilà, et Dieu sait qu'il est difficile de remplacer le 217, et que celui-là y arrive quasiment, quoi. Donc non, vraiment, chapeau, quoi. Vraiment chapeau. Donc, encore mille merci, Miss Blackline, pour cette découverte. Et voilà, je vais aller nettoyer ceux qui ont besoin de l'être. À bientôt, ciao.